monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans, pardon, dans une vidéo, encore une fois, idée pour les fêtes. Je vais vous faire un smoky tout en diamant, voilà. J'espère que ça va vous plaire, c'est relativement rapide à faire pour les yeux, enfin tout est relativement rapide à faire. Voilà, donc je vais vous laisser avec le tuto et on se retrouve après pour parler un petit peu des produits et puis voilà, pour vous voyez le résultat quoi, voilà. À tout à l'heure. Alors sans surprise évidemment pour ce maquillage on va commencer par les yeux, voilà. Et je vais encore utiliser mon petit scotch, voilà, qui va me servir encore une fois à, pour la démarcation, à que tout ça soit bien droit. Ça n'était absolument pas français ce que je viens de dire, à que il va me servir pour que tout ça soit bien droit. Donc voilà, je scotche un peu sur ma main avant pour pas que ça m'éclate la tronche. Et ensuite, je viens le poser sous le sourcil, sous les cils, en partant de la, du bout du sourcil, en gros vers l'arête de mon nez. Voilà. Donc voilà, j'ai juste replacé un petit peu la caméra et j'ai surtout mis mon miroir en face. On va voir si ça marche. Bah, c'est peut-être mieux que quand il est de l'autre côté et que je regarde de l'autre côté, mais bon bref. Je vais utiliser un crayon de chez Sephora, voilà les crayons jumbo pour les yeux. Donc ça c'est leur les ombres colorful, le noir mat waterproof. Donc on va crayonner la paupière. Ils sont hyper pigmentés. Donc franchement j'y vais doucement, je sais pas trop la maline. Donc voilà, jusqu'au creux. Et sans plus attendre, je vais estomper, je vais prendre mon petit pinceau Real Techniques et je vais assez vite parce que sinon il sèche. Et en fait après voilà, en estompant je peux revenir vers le coin interne. J'ai pas mis de base parce qu'ils sont assez ils sèchent mais ils sont assez gras donc j'avais pas besoin de base. Une fois qu'on ressemble à un panda pour Halloween, c'est vrai, regardez. Je vais commencer à utiliser mes paillettes. Donc moi j'ai pris la poudre de diamant de chez Make Up For Ever qui existe que dans une seule teinte si j'ai bien compris. J'ai pris ça parce que en fait je voulais des paillettes dorées et je suis allée à Cannes, à Sephora. Il n'y en avait pas, il n'y avait plus de paillettes Make Up Forever. Je suis allée chez MAC pour ça, j'ai acheté autre chose évidemment, mais j'ai demandé, il n'y avait pas de paillettes dorées. Et donc voilà, donc j'ai pris ça qui est quand même assez joli. Alors en fait, on va le faire en deux fois. Je vais faire une première fois avec un petit pinceau assez dense. Voilà, donc elles se prennent très bien. Et donc là, on va appliquer vraiment sur le coin externe. Elles s'appliquent facilement, on peut les mettre partout en plus. Donc c'est pas des grosses paillettes. C'est vraiment ouais, comme une poudre, mais après ça brille comme des paillettes. Mais c'est pas des grosses paillettes comme je pensais prendre. Et après, on va prendre un pinceau un petit peu plus fluffy, même beaucoup plus fluffy. Voilà, bon, moi je vais prendre celui-ci, c'est un de chez Sigma. On va venir en déposer plus sur le début. Donc voilà ce que ça donne. Là, on ressemble toujours à un panda, sauf que c'est un panda qui brille. Hein, voilà. Pour le coin interne, alors apporter un peu de lumière dans le coin interne, bien sûr, mais ça va, on en a sur les yeux pour une fois. Voilà. Il y en a pas mal. Je vais utiliser le petit fard Supernova de H&M parce que justement, il est beige pailleté. Je vais ensuite prendre ma Naked 1. Voilà, et là on va peaufiner. Je vais prendre le fard Naked que je vais appliquer en transition. En fait là voilà, on va essayer d'atténuer cette démarcation qu'il y a eu avec ce fard crème. Donc on va le faire avec des fards poudre. Ensuite je vais prendre Crepe, voilà, que là par contre je vais mettre en creux. Et en fait, voilà, à partir de là, on va fumer et donner cet effet
se moquer. Donc on prend un estompeur propre, bien sûr, pour fondre une fois qu'on a appliqué, hein, c'est mieux. Je vais reprendre au doigt une pointe de Supernova pour mettre vraiment sous le sourcil. Et après, pour plus d'intensité, alors moi j'aurais laissé comme ça, mais si vous voulez vraiment beaucoup plus d'intensité, vous pouvez les humidifier. Je vais le faire juste après pour vous montrer. Donc là, on va enlever notre scotch. Comme d'habitude, on enlève la démarcation qui s'est faite là. Enfin, on l'enlève pas en fait, on la floute. Un petit peu. Vous pouvez vous aider du fard naked si vous voulez, enfin du fard beige que vous avez utilisé. On va réutiliser notre Colorful. Ils sont vraiment super bien pigmentés ces trucs. J'hésitais à prendre un... Si j'avais pas de fard crème noire. Et j'hésitais à prendre les aquamatiques de Makeup Forever là, parce que j'en ai trois et qui sont très bien. J'ai un bleu, un violet, enfin voilà, je vous les avais présentés sur le blog. Et j'hésitais à prendre ça en noir et en fait j'ai swatché celui-là. J'ai swatché les deux à côté et la pigmentation de celui-là était meilleure que la pigmentation du Makeup Forever. Il était plus noir en fait. On floute, donc moi je floute au doigt parce que je trouve ça plus simple et je trouve que ça fait plus plus flouté, enfin plus joli quoi, plus naturel, plus smoky, voilà. Ensuite on prend un crayon kohl, bien sûr, qu'on place en muqueuse inférieure et supérieure. Alors je vais vous montrer pour enfin ce que ça donne quand on les met humides. Pardon, j'attrape mon Fix Plus. Donc je prends du Fix Plus ou n'importe quoi, ou même un peu d'eau ou ce que vous voulez. Un pinceau, je vais prendre un pinceau comme ça. Donc je le mouille un petit peu avec le... Voilà. Pour éviter de mouiller les autres, je tapote le tamis pour en mettre dans le capuchon. Et donc là je viens les attraper avec le pinceau. Et là on pose. Après on estompe quand même si c'est des paillettes. Je vais mettre mon mascara, ce serait mieux. Donc j'ai choisi le Mega Effet Volume Mega Effet Push-Up Volume Glamour de Bourjois que j'aime bien là. Donc on en met une bonne couche. Là on y va vraiment, on retrempe même la brosse pour le deuxième œil. Histoire que vraiment il y a de la matière. Franchement allez-y quoi. Travaillez-le longtemps. Donc ensuite avec ce genre de maquillage, déjà bon, on a des chutes de paillettes. Mais en plus, oui bien qu'il faut avoir un teint nickel. Parce que sinon vous ressemblez à, je sais pas, Paris Hilton, j'ai rien contre toi, mais Paris Hilton qui sort de boîte à 5h du mat. Voilà. Donc je vais utiliser le Remarkable de Marc Jacobs, puisque c'est le mieux pour ça, je trouve. Je vais essayer le Buffing Brush avec. Je n'ai jamais essayé, en fait, mes deux pinceaux Sephora 45 là sont sales. Et le sien, là, The Face 3 aussi. Donc on va essayer celui-ci. Ah non, si ça va. Pas aussi bien qu'avec les deux que je viens de vous citer, là, celui qui va avec ou le 45 de Sephora, mais ça va. Quand tu mets son teint, t'as toujours l'impression d'avoir une peau dégueulasse. Parce que quand tu le mets, il te fait tellement un effet Photoshop et tout, que genre tu regardes le côté que t'as pas encore fait et tu te dis, mais genre demi-tamment tu disais, oh ça va en ce moment ma peau. Et genre tu le mets et tu te dis, ma peau est dégueulasse. Voilà. J'ai des paillettes jusque dans les cheveux, les gars. Tu me diras, au moins ça fait un rappel, quoi.
Donc celui-ci, ce fond de teint là, qui vous fait un effet de dingue, il floute vraiment tout, il est hyper couvrant, donc sous les paillettes, bon bah voilà, celles qu'il y a, elles sont emprisonnées dessous. C'est vrai que là pour Noël, pour les fêtes, je m'en suis pas mal servi. Enfin pour les maquillages de Noël et tout, mais parce que bon, je me dis que si c'était le soir de Noël ou du réveillon, bah c'est vrai que c'est lui que je sortirais parce que j'aurais quand même envie d'avoir la peau nickel, le teint nickel jusqu'à ce que la soirée se termine. Donc c'est vrai que c'est lui que j'utiliserais, donc je vous fais ce que j'utiliserais pour moi quoi. Donc voilà, ça va déjà mieux, on a déjà une tête un peu plus présentable, c'est ce que je veux dire. Je vais juste reforcer un petit peu en dessous parce qu'on a mis le fond de teint et donc ça a un petit peu atténué. Voilà, histoire de redonner un petit peu d'intensité en dessous et tout. Je vais pouvoir passer à la poudre. Donc je vais utiliser pour le dessous de l'œil ma banana powder. C'est difficilement trouvable en France, mais il y a plein de vendeurs eBay maintenant qui les vendent et il y en a des très sérieux. J'essaierai de trouver celui chez qui j'avais acheté les deux et je vous mettrai son lien dans le blog. Mais il y a des vendeurs eBay aux États-Unis qui vendent, qui, ça arrive en France en 10 jours. Ensuite, je vais utiliser la banana aussi, non, la Ben Nye aussi, mais la Pink Rebel, voilà, donc pour faire le reste du visage. Puisque le rose, c'est pour. Ça va aider à illuminer, etc. Et que c'est une très bonne poudre matifiante en même temps. Ensuite, je vais passer au bronzer. Donc, je vais prendre celui-ci de chez Dior, qui est les Nude Tan ancienne version couleur 1. Voilà, que je vais appliquer en 3, enfin vraiment pour réchauffer mon teint, parce que je trouve toujours que le Marc Jacobs, même s'il est très beau, etc., sur la peau, c'est pas, enfin, il a pas un effet glowy, bonne mine, etc., et donc j'aime bien le réchauffer un petit peu. C'est bien parce que dans le retour, je suis encore orange, comme la dernière fois là où j'ai eu de ma vie, mais devant moi, je suis pas du tout, enfin, je suis normale. Donc comme la dernière fois en fait, super. Là devant le miroir, là c'est comme si j'avais tout enlevé alors que quand je regarde sur l'écran de contrôle... Ah non mais là je vois une trace quoi. Mais le problème c'est que j'ai beau estomper, ça va pas l'enlever quoi. Puisque pour moi elle y est pas. Enfin bref. Pour le blush on va rester dans la lumière et je vais utiliser mon Too Faced, donc le Pink Léopard. Voilà, qui est un blush highlighter. Mais il est pas rose, il est vraiment, vous voyez, rose gold. Alors par contre au retour, quand c'est de la lumière, ça vous voyez pas quoi. Vous voyez bien quand c'est bien marron, orange, et que ça fait des traces, que moi je vois pas. Par contre de la belle lumière rose gold sur les joues, machin, avec Too Faced, rien du tout quoi. La meuf qui se vénère toute seule et tout sur son appareil photo. Pareil, je vais remettre un petit coup d'estompage. Parce que lui il est très irisé, mais j'adore ce truc franchement comme blush comme ça pour tous les jours. Qui apporte juste de la lumière et tout, même si vous mettez pas de bronzer, vous mettez juste ça et franchement c'est nickel. Pour les lèvres, alors je vais d'abord utiliser un crayon de chez NARS, donc le Cruella, non le Dragon Girl, pardon. En crayon à lèvres, voilà, c'est le jumbo que vous pouvez utiliser. Bravo. Que vous pouvez utiliser en rouge à lèvres, etc. Mais là je vais utiliser en dessous. Et ensuite, je vais utiliser de chez Anastasia Beverly Hills le Candy Apple, c'est l'édition limitée de cette année. Alors, je l'utilise parce que c'est un rouge qui contient des petites paillettes. Si vous voyez ce que je vois dans l'écran de contrôle, c'est pas ça. Je sais pas comment vous dire. En fait, dans l'écran de contrôle, je vois que mon noir est devenu un peu gris et que voilà, c'est argenté sur le dessus. Que quand on regarde dans le miroir, c'est vraiment comme du diamant. Enfin, c'est plus vivant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plus vivant et tout. Ça bouge. Enfin, voilà, c'est pas juste un aplat argenté, même en les ayant posés humides. C'est pour ça que je voulais vous montrer, parce que si ça avait été juste ça, il n'y aurait pas eu d'intérêt.
Et je trouve que c'est lumineux sans non plus faire arbre de Noël, guirlande. Et que c'est quand même des produits qui vont bien ensemble. Donc voilà, c'est terminé. J'ai adoré faire ce truc. J'étais très contente de découvrir la poudre de diamant, même si à la base c'est pas vraiment ce que je cherchais. Je cherchais vraiment des paillettes, paillettes, comme je vous disais. Mais bon, j'ai été contente de les trouver et je trouve que ça donne un petit truc en plus au maquillage. Vraiment, voilà. Et alors, quant au rouge à lèvres, franchement, j'en suis trop contente, amoureuse. C'est pas un rouge que. Enfin, je trouve que c'est pas un rouge qu'on peut mettre tout le temps. C'était leur édition pour. Noël ou Halloween, je sais pas. Et je trouve que c'est pas un rouge qu'on peut porter tout le temps parce que il est très lumineux, il a ses paillettes. Enfin, je le mets. Ça m'arrive de mettre du rouge très franc pour aller au bureau, mais par exemple lui, j'aurais un peu plus de mal à le mettre parce qu'avec ses paillettes, ses trucs et tout, je sais pas, j'aurais un peu plus de mal à le mettre en journée. Par contre, pour une soirée, c'est peut-être le rouge le plus adéquate pour quand on a une soirée ou quoi, celui-là il envoie du pâté et voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Les Anastasia, je vous l'ai dit, ils sont très bien, voilà, je l'adore. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir, à me dire ce que vous pensez de ce make-up. Vous pouvez retrouver tous les produits utilisés, leur nom, leur référence, etc. et plus de photos sur le blog en cliquant sur ma tête. Voilà, vous y accédez directement à cet article. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Bye bye !